machin. Il parle ? Oui, maman disait qu'il est gentil. Qu'est-ce qu'il dit ? J'en sais rien. Regarde, il y a une épave tout là-bas. T'as vu? Bébé. Et ça, c'est la statue de Thor. Sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai. Là, à côté du drapeau. On peut pas tirer. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il on peut pas tirer sa hache quand on est sur le bateau. Nom de réveiller le serpent monde de Midgar. J'espère qu'il voulait nous manger, mais on a toujours dit que... Jormungand était un gentil géant. Il essayait de nous dire quelque chose, mais je n'avais pas compris. Est-ce qu'il parle le langage des géants? Maintenant, il n'a pas l'air de s'intéresser à nous. J'aimerais tellement lui parler. J'ai des tas de questions à lui poser. D'où vient-il? Que fait-il? Que mange-t-il? On va trouver un autre moyen de communiquer. Mon grand qui l'entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas. On apparaît plutôt grand. C'est là depuis combien de temps? Depuis très... Et ça, marqueur dans les catégories, d'accord. Afficher les ateliers, afficher les quais, afficher les entrées. Donc là, je crois qu'on arrive au... Au moment où c'est que c'est un peu monde ouvert, je pense. Ça, c'est d'où on vient, c'est chez nous. Ça, c'est l'atelier avec le nain. Ça, c'est la tortue maison sorcière. Et on est là. Très longtemps. Après, j'ai vu un oiseau de... un corbeau, là. Ah, on verra ça plus tard. Bon, je vais faire une pause, moi. Alors, on s'était arrêté là. Ok, le son est bon. Ouais, on est bon. Donc, je crois que c'est là où c'est qu'on commence un peu le monde ouvert. Enfin, entre parenthèses. Il y a le grand serpent, Jormungand qui dort. Et je pense qu'on peut aller un peu à droite, à gauche. Mais bon, pour le moment, on va se concentrer sur l'endroit principal, on va dire. Ouh, grenouille! C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? J'ai justement quelque chose pour vous! Ah, c'est le... C'est le nain. Ah, yes. Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Cool. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront atelier comme des de chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Ah, ça va être notre ville principale, enfin ville, genre notre camp. Tu te déplaces toujours au pas de course comme ça? C'est vrai qu'à chaque fois il se déplace tout le temps comme ça, enfin c'est très dur de le faire marcher. Même au joystick c'est super chaud de le faire marcher parce qu'il faut... Il court tout le temps, c'est marrant. Attrapé! Ah, oh, dis-moi que je peux monter de niveau. Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette plaie d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre-monde.
une sorte de raccourci entre les royaumes. Ah, cool. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Bon bah du coup on va aller à droite à gauche quoi. Allez, on se met au travail. Les talismans, les pommeaux et les enchantements sont désormais disponibles dans l'atelier. Oh cool. Comme le reste de l'équipement et les pièces d'armure peuvent être améliorées dans les ateliers. Ok. Amélioration d'armure. Augmente les stats, son niveau de puissance et permet d'ajouter des emplacements d'enchantement. Alors, un enchantement améliore vitalité de 3, récupération de 3, runes et chance. Chance, je sais plus ce que c'est, merde. Ah. Toujours un plaisir. Maintenant du balai. À l'atelier. Augmente les chances d'activation d'atouts et les gains d'exp et d'argent. L'activation d'atouts. Ok, intéressant. À la limite, je prendrais chance et vitalité. On va voir. Réduit le temps de rechargement des flèches de l'arc serre. Amélioration du carquois. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Talismans. Les talismans ont des effets uniques qui peuvent vous aider en combat. Vous pouvez les améliorer dans l'atelier, accroître leur efficacité, accélérer la récupération. Certaines capacités. Talismans de vitalité concentré. Il nous faut du poussière, de la poussière de royaume. Je sais pas ce que c'est. On l'a jamais trouvé. Plus un, on perd de la chance. Pommeau d'armes. Vous pouvez doter vos armes de pommeau. Chaque pommeau augmente vos stats et confère des atouts uniques en fonction de vos actions au combat. Vous pouvez améliorer vos pommeaux pour augmenter leurs stats. Alors, forte chance d'obtenir un atout grâce. Récupération à chaque lancée de précision réussie. Ça c'est cool ça, ça c'est vachement bien ça. A chaque coup de fendoir. Faible chantonnier à toute grâce, venez qu'à chaque lancer de précision. Réduire le temps de récupération des attaques runes. Ok. Don de force à chaque coup de fondoir réussi. C'est à dire quoi un coup de fondoir? Je sais pas. Je sais pas quelle attaque c'est. Ça. De... C'est celui-là, c'est R2 pressé. Ouais. Ok, ça c'est pas mal parce que ça je le fais très souvent. Mais bon, après, je fais le lancer aussi très souvent. Donc au final... C'est autre chose. Très bien, alors quoi? Je prends un bref bonus d'incidé pendant plusieurs secondes quand la santé des Kratos atteint un niveau critique. Je prends un bref bonus de force quand la santé des Kratos atteint un niveau critique. Un atout grâce, c'est quoi ça exactement, un atout grâce? Grâce de récupération, hein. Non,
Je vais prendre la force. Remarcus. Et j'ai pas équipé. Est-ce qu'il y a... J'ai pas l'habitude encore du menu. Et autre chose ? C'est parti ! On peut l'améliorer aussi. Faut juste de l'argent. 6-6, on passe à 6-6. Ok. On va améliorer ses flèches parce que ça c'est utile. Ça c'est vachement utile en combat au final. Bref, on turn. Qu'est-ce que tu veux, petit gars ? La hache, il faut des flammes. Qu'est-ce qu'on fait ? On améliore ça ? Oh oui, tu vas en faire des tranches avec ça. Le talisman, il va falloir augmenter le talisman au maximum parce que ça va être vachement utile, surtout avec cette difficulté. Et après là on a plus d'argent parce que j'ai tout dépensé. Mais bon, les équipements ils sont pas top. Ils me baissent la défense ou alors ils me baissent trop l'attaque. D'autres choses ? Je pense pas. On peut vendre. Si jamais on a besoin d'argent, on peut vendre les objets qu'on a, mais je les vendrai après, plus tard. On se reverra dans les parages. Ok, on est bon. Partir. Alors ça. Cool. Allez, on va taper du monstre. Où est-ce qu'on va ? Il y a tellement... Je pense que là, on est vraiment... libre, en fait. D'aller un peu où on veut. Il faut des jumelles. Il faut des jumelles pour voir un peu plus loin. J'ai déjà eu des morts brutales ? Non. Non, pas brutales, juste mort, quoi. Mais des fois, dans des combats, je suis mort à répétition. Là, on est en extrême, en fait. Et les monstres, ils sont ultra puissants.
Ce qui est pas mal, ce que j'aime bien en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les monstres peuvent augmenter de niveau en combat. Genre ils peuvent se buffer en fait et ils prennent un niveau de plus. Ah, ok. Combat avancé d'Artus. Artus est plus sûr de lui lors des combats et peut désormais aider Kratos en attaquant physiquement des ennemis quand il voit une opportunité. Ce qui peut être amélioré à l'ongle, les compétences. Tiens-toi prêt, mon garçon! Oh! Attends, faut que je m'y remette là. Ouais, ok. Faut que je m'y remette, faut que je me réveille en fait, Ah, avec de Kratos. Oui, il a fait des finishing en fait. Je vais essayer d'en montrer après. Il écrase les monstres et tout ça, il écrase les têtes, il les arrache. Il est... Ouais, non, il fait ça. Ils font des putains d'entraînement, eux. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ciao. Avec un peu de chance, cette tour menait à la montagne. Je suis prêt. Voilà, là je me suis fait quoi, toucher une fois. C'est, le gameplay est vraiment bon parce que t'es jamais là, genre le gameplay est rigide, je me fais toucher parce que je combat le gameplay en fait. Non, le gameplay est super fluide et super bien quoi. Tu peux faire des trucs énormes quoi, c'est abusé. Par contre, je pourrais rajouter des enchantements, j'ai pas fait gaffe. Faudrait que j'en achète, parce que j'ai que défense 2. Par contre, il y a un corbeau, faut que je défonce. Bien si, salope. Je peux pas tirer dessus. Ah mais c'est que moi, putain je crois, oh la vache. Ah! Je sais même pas si c'est d'ici qu'il faut le faire. Après, ouais peut-être en bas là. Bon. Salut Rick. Ouais, pour l'instant il a qu'une hache, je me rappelle qu'il avait des couteaux avec des chaînes dans les anciens jeux. Je vais juste aller voir les enchantements si je peux pas en rajouter. Et après on continue. Après personnellement, moi j'aime bien la hache, elle est cool. J'aime bien les enchaînements. C'est bon, hanté. Tant pis pour la tranquillité. Oui. Ah.
Toujours un plaisir. Maintenant. Ok. Du balai. Voilà, très bien. J'ai envie d'aller sur l'eau. On va visiter un peu. Quand le niveau de l'eau a baissé, de nouvelles plages sont apparues. On devrait les explorer pour trouver des ressources. Oh. Carte. Ok, yes. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai? Oui, elle se battait merveilleusement. Vache. Ok. Viens voir ici. Non. On était bon là. Oh putain, on était bon. Merde. Bon, bah on est bien. Alors... Bon. On va pas demander, ils ont disparu. Alors là, là... ça passe à travers... On entend le ventilo ? Ça c'est pour notre vie. Quand on en aura trois. Faire monter le gamin. Comment tu peux faire monter le gamin? Ici, je peux pas monter parce qu'il y a des rochers là. Toi, on te tue ou pas? Il est où ce con? Voilà. Je vais pas y arriver lui. Hein.
Ça c'est fait. On va autre part. Cette statue est impressionnante. Qui l'a construite ? Je ne sais pas. Ceux qui connaissent l'histoire, il n'y avait pas un combat sur la... Bon, t'aurais pas une histoire pour passer le temps? Quel genre d'histoire? La statue de... Je sais pas. De Thor. Mère avait plein d'histoires. On t'en racontait pas quand t'étais enfant? Je connaissais un homme autrefois. Ses histoires étaient brèves et instructives. C'est... bien. Est-ce que tu t'en souviens? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue. Comme chez la sorcière? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se défie dans une course de vitesse. Le lièvre est trop sûr de sa victoire et stupide. La tortue est réfléchie et disciplinée. La tortue gagne. Tu racontes pas souvent d'histoire, hein. Et le lièvre et la tortue. Version Kratos. Il y a moins de rebondissements quand même. On s'arrête ici. Le niveau de l'eau a baissé. Quand le serpent est sorti. C'est quoi ça? Accès mystique. Inaccessible pour l'instant, ça marche. Oui, je le savais. Ok, on a une porte. Ça, on va sûrement le déverrouiller plus tard. Ça a pas l'air de marcher. Ici. Tu jettes le gosse à la flotte. Oh là, C'est incroyable. Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. Il y a quoi là-bas? Le nain avait dit de pas s'éloigner, hein, du... C'est là ou là-bas? Je visite. Il y a quoi de ce côté alors? On saute. Vraiment? Pourquoi on saute? Là, pour une fois, je suis d'accord avec le boss. Vous n'auriez pas dû vous écarter du chemin. On est mort, la blague. Ok. Bon bah, bon. On est mort. Peut-être que plus tard il y aura quelque chose à faire, mais. Genre, il nous fallait l'anneau de Artorias pour éviter que les abysses nous mangent. On est reparti. On est reparti. Mm.
On a le temps pour une autre histoire? Une histoire courte. Il était un cheval. Un cheval qui cherchait à se venger de son ennemi, un cerf. Mais il ne pouvait pas tuer le cerf seul. Le cheval rencontra un homme, un chasseur, et fit un pacte. Il prit le mors et la bride de l'homme et lui permit de se mettre en selle sur son dos. Ensemble, ils tuèrent le cerf et le cheval savoura sa victoire. Mais le chasseur refusa de libérer le cheval et fit de lui son esclave. Donc il a perdu sa liberté pour se venger. J'espère que ça valait le coup. Ce n'est pas le cas. Yeah! Soirée histoire avec Kratos, c'est terrible. Il doit faire fureur dans les sorties, lui. Ok. En tout cas, j'aime bien la VF, elle est cool. Les voix sont sympas. Oh, regarde, une torche. Les torches sont faites en bois. Ça, c'est un brasier. Un brasier. Il y a quelque chose d'écrit dessus, on dirait. Tu veux que je lise? Oh merde. Putain, ils sont... Oh, ils sont niveau 4. Ça va pas le faire. Non, pas bon là. On va peut-être revenir plus tard ici. Non, ici non. Père, lève-toi ! Non, ici non. Non, faut pas exagérer quand même. Niveau 4, non. À la limite, enfin non, j'ai envie de retester une fois, mais c'est pas plus. Là, il nous faut quand même un peu plus de niveau. Ah, il le cache. Une torche. Il le cache aussi le fait que ça, c'est un brasier. Que c'est un dieu. Brasier. Il le cache à son fils, je sais pas pourquoi. Mais, dessus, on dirait. Tu veux que je lise ? Enfin, le gosse il est spécial. Hein. Le gosse il sait lire les anciennes écritures et tout ça. Donc il y a quelque chose avec le gosse. Kovekia. Prépare-toi. Non, ça va pas. C'est bon. Non, lève-toi ! Je pense qu'au bout d'un moment, je peux le passer, ce passage. Si je renvoie les projectiles, etc. Mais j'ai pas envie d'y rester 4 heures, quoi. On va juste prendre les objets et on se casse. Oh, regarde, une torche. Les torches sont faites en bois. Ça, c'est un brasier. Ah bah ça va, l'objet brasier. Il est déjà pris. Ça marche. Il y a quelque chose d'écrit dessus, on dirait. Oui. Tu veux que je lise ? Non. Non. Tu le liras plus tard. Tu liras ça plus tard.
or d'Aegir. Cool. C'est en touchant le cadavre, je crois. On peut accoster ici. Oh putain. Là, on n'est pas censé y aller, hein. Je répète, c'est vraiment du... de la quête secondaire, ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est peut-être normal que les ennemis soient plus haut niveau. Si jamais ils sont trop haut niveau, ici aussi, on se casse. Trop de monde. J'essaye de renvoyer les attaques. L'explosion, mais l'explosion elle est horrible. Je sais même pas comment on l'esquive. Non, ça va pas aller, non. Et si on partait? Et si on allait dans un autre endroit? Si on restait sur le chemin principal pour le moment. On reviendra plus tard. Passé ici. Un ouvrage. Oui, mais je me demande comment il s'est échoué. Il y a des glyphes un peu partout. Oh. T'as une autre histoire? Très bien. Il y avait l'histoire d'une grenouille. Non mais attends. Ayant séché, on est arrivé. Une grenouille et son fils partirent en chercher une autre. Assez. Les histoires sont pour le bateau. Nous devons marcher. Oui, père. Bon. Pas de la chance. On retourne sur le bateau. Allez, la grenouille. On va voir de l'autre côté. Ton histoire, Kratos. Alors, quelle histoire tu voulais raconter? Il y avait l'histoire d'une grenouille. Leur mare ayant séché, une grenouille et son fils partirent en chercher une autre. Ils trouvèrent un puits. Le fils vit l'eau et s'apprêtait à sauter, mais son père l'en empêcha. Il savait que le puits était profond et qu'une fois dedans, il ne pourrait pas en partir si l'eau venait à manquer. Judicieusement, ils partirent. C'est tout? Oui. C'est pas une histoire, ça. Si le fils avait sauté, ce serait déjà mieux. Il serait piégé. Il mourrait de faim sous le regard de son père impuissant. Tu vois, voilà une histoire. Je suis d'accord avec le gars.